téléphone, il est là. Ouais, en fait, c'est le rire du téléphone, c'est un des rires officiels du yoga du rire, on s'en fout en fait. C'est juste pour dire que je viens juste de raccrocher avec quelqu'un que j'accompagne en résolution émotionnelle et on échangeait sur un truc qui était vraiment pas drôle du tout. C'est-à-dire que hier, j'étais en séance de yoga du rire avec des seniors et puis il y a une dame qui venait juste d'arriver dans la résidence et a dit « Mais moi, je vais pas rire, il n'en est pas question. J'ai perdu mon mari et mon fils. Comment vous voulez que je rie ?» Ok. Vous auriez dit quoi, vous, à cette personne? Parce que la personne avec qui j'étais au téléphone, elle me disait « Bah, moi, j'aurais dit ça, puis j'aurais dit ça. » Ouais. Ouais, c'est une possibilité, mais du coup ça ramène le mental et du coup ça tourne tout le temps. Et ça va pas changer la situation. Donc c'est comme pour la résolution émotionnelle, ça ne change pas la situation, ça permet de voir les choses autrement. Donc moi j'ai juste dit, j'ai bien compris qu'ils étaient partis, parce que voilà, j'ai fait preuve d'empathie. Par contre, ce que je vous propose, c'est pas parce que eux sont partis que vous, vous l'êtes. Vous, vous êtes toujours vivante, vous êtes toujours là. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on leur envoie des rires. Et là, ah ouais. Et en fait, quand on a commencé le début de la séance, elle était, son score d'énergie, il était à 5 sur 10. À la fin de la séance, elle était à 10 sur 10. Donc, généralement, je dis, si vous êtes tout raplapla, vous êtes à 0. Et si vous êtes prêt à aller danser en boîte de nuit, vous êtes à 10. Donc, autant vous dire que, déjà, je pense que quand elle avait dit 5, elle était gentille, vu son état. Et au final, elle a fini à 10. Donc, en fait, tout est une question de choix, ça c'est sûr, et de savoir comment on a envie aussi de voir les autres. Et puis, vous savez, il y a aussi des gens qui veulent rester dans la position de victime. Ah ben non, moi je j'ai pas le droit d'être heureux, il faut que je sois triste. Mais en fait, d'où on choisit d'être triste à vie, en fait? Ça change quoi? C'est pas parce qu'on rit qu'on va faire disparaître la personne de notre cœur. Elle est toujours là, la personne, ou les personnes, là en l'occurrence. En fait, c'est juste... justement d'envoyer de l'amour là-haut, mais de s'envoyer de l'amour aussi à soi pour vivre, parce que nous on est vivants en fait, et justement il faut se féliciter et être conscient de la chance qu'on a d'être encore en vie. Donc voilà, donc bon, moi ce que je vais faire, je le reprends puis je vais envoyer des télé-dérires à tous ceux que j'aime et qui sont là-haut aussi. Alors je prends ce canal là, mais des fois j'en ai pas besoin. Et puis je vous envoie plein de rires à vous en tout cas, et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, vous en valez la joie.